Je suis confiant que nous gagnons l'élection. Et moi, aujourd'hui, chacun prouvait que tout la majorité conseil qui finit derrière moi. Et bien sûr, hein, un conseil qui est bien solidaire. Et moi, je suis confiant une victoire, une grande victoire comme ça. Et on dit au discours, c'est la quatrième fois qu'il est élu. Oui, c'est la quatrième mandat, oui. On était déjà élu en 99, 2000, 2003, 2004. Et 2017 à 2020, là, c'est nouveau encore, quatrième fois, du 2020 à 2022. Et là, qui est une priorité? La priorité, quand on dit mon discours, il y a une priorité qui connaît, nous sommes déjà là depuis 3 ans et demi. Il y a beaucoup de travail. Allez, merci. Well done, hein? Oui, merci. Well done, well done. Merci pour l'interview. Ouais. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas commencé. Il y a beaucoup de projets qui ont fini de commencer. Et il y a beaucoup de projets qui sont venus. Parce que depuis là, je suis là depuis 3 ans et demi. Je connais tout un projet qui est ongoing et tout un projet qui va le faire. Et l'année prochaine, parce que cette année-là, nous avons un peu de difficultés à cause du COVID-19. Hein, beaucoup de projets qui vont nous réussir à faire. Et vous pensez nous vous rattraper en retard en 2021. C'est un peu un exemple qui va un projet, madame. Oui, il y a beaucoup de projets qui veulent faire, c'est là. Là, nous avons un projet qui est un nouveau projet. Nous avons une futsal qui veut faire un port, hein, avec Moura, avec Moussa Télécom. Nous avons un multipurpose complexe qui veut faire dans un port. Ça, c'est nous plan standard en janvier. C'était un financement de 50 millions roupies. Nous avons encore une futsal qui veut faire dans un village. Nous avons un village qui peine la lumière dans le terrain de football, comme en pleine de rose. Ça, c'est une fille à prouver au gardien. Et nous faisons un peu de bistop dans nos quartiers. Un new best shelter. Et comme ça, il y en a beaucoup pour ça. Et vous travaillez avec le gouvernement? Ah, mais bien sûr, je travaille avec le gouvernement. On connaît, nous avons beaucoup. Nous avons un projet, nous avons une belle idée. Mais si nous n'avons pas de ressources, comment vous travaillez? À chaque fois, je veux dire, c'est avec le financement du gouvernement qui vous fait autant de projets qu'il fait dans le Réveil du Rapport, et ça pour continuer. Merci beaucoup. Et là, moi, à l'outil d'affaires, je remercie le soutien qu'ils ont gagné avec nos députés, nos ministres de circonscription numéro 6-7, et bien sûr, nous avons un grand coup de main avec nos premiers ministres, Pravin Kumar-Jagnauth.